Avant le visionnage de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un youtubeur et précisément d'un rappeur. C'est un rappeur qui débute sur YouTube, qui s'appelle GS Califorlife. Et du coup, lui, on va dire, il a énormément de culot. C'est-à-dire qu'il va aller tourner des clips dans des magasins de luxe, dans Louis Vuitton, chez Hugo Boss et tout. Il va vraiment oser et tout. Et moi, j'aime vraiment ce côté-là, aventurier. Il est carrément venu nous voir sur Paris pour nous parler de ses projets et tout. Et on aimerait vraiment l'aider parce qu'on aime ce qu'il fait. Je vous laisse écouter un peu ses sons. Ouais. J'ai grandi dans le côté obscur de la force. Sur le port 36, y'avait des folles à ma porte. Comme des clones, je serais tatoué jusqu'à ma mort. J'ai tiré fort sur la dope. Ok mon pote, pastille 51, 40 degrés comme un blood. À Paname, y'a des meufs, la porte est plus de la dope. On est tous des gros porcs quand y'a des meufs chaudes. On veut tous des sommes, fumer un kill avec une escorte et faire le boss. On aimerait tous faire la promo du dernier single. Allez go. Alors non, doucement. Pourquoi t'es pressé comme ça? Faut pas mettre la pression, bon. Ça vient sur YouTube, ça. Ok, bon, ça commence. Salut à tous, ici les Tsukwesi Wanda Folie. Alors les gars, juste un nouveau truc maintenant, c'est quoi? La guilde des Nyama. C'est fini la team Nyama, maintenant c'est la guilde des Nyama. Vous êtes partie de la guilde maintenant. Moi je suis Natsu, ok? Faut le mettre, hein. Bon, aujourd'hui tout simplement, on va aller voir les filles et les hommes et demander comment on peut devenir un bon colis. Pour les Nyamas abonnés hommes, moi je prends le devant, je vais aller demander ça. Est-ce que d'abord, tu es en couple? Oui. Ça fait longtemps ou pas? Plutôt, ouais. Genre 2 ans? Non, 9 mois. Tu es en couple? Non. Tu cherches, hein? Non plus. Oh, ouais, bon, ok, bon. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos abonnés? Comment être un bon coup au lit avec une femme, là? Comment être un bon coup? Yeah. Au lit, voilà. Je sais pas, genre être attentif, être à l'écoute et pas être égoïste. Pas être égoïste, surtout. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes égoïstes, hein? Ouais, je pense. T'as rencontré ou pas des hommes égoïstes? Non, pas trop, non. Ah, ça va. Non, autre chose, d'accord, ok. Ouais. Donc, du coup, c'est le seul conseil que tu donnes aux hommes, c'est oui. Tout. Ouais, je dirais ça. Les préliminaires, là. Alors, faut être long. Quand elle est bien excitée, de toute façon, même si t'es nul après, ça passe. D'accord, ok. T'aurais des petites techniques à donner aux abonnés, là, un petit peu, là, préliminaires? Le clito, hein. Le clito. Ah ouais, okay. Le clito. Et tu fais des petites. Quoi? Eh, je sais pas, on met des parenthèses. Parenthèses, ok. Donc, pourtant, on a dit qu'en gros, si t'es bon en préli, après le reste, même si t'es mauvais, ça passe. Ouais, après, faut pas abuser. Ben... Pas non plus, pas à 30 secondes, quoi. Ouais, non, non, non. Ils veulent savoir, les Nyama abonnés. Est-ce que t'aurais des conseils à donner, je sais pas, être plus. Bah, être respectueux déjà. Déjà, là, ouais, premier truc. Premier truc, déjà, être respectueux. Ouais, premier truc, ouais. Déjà, c'est déjà bien. C'est tout? Déjà, c'est déjà bien. Déjà. C'est déjà bien. Ok, ok. Et ensuite, vos conseils? Ensuite. Ouais. Toujours apprêté. Genre propre sur soi, quoi. Propre sur toi. Un minimum, quoi. Exactement. Un minimum, ok. Exactement. Comment devenir un bon coup avec une femme? Comment devenir un bon coup? Ouais, un bon coup. Parce que t'as plein d'abonnés qui sont curieux, qui veulent savoir ce qui se passe un petit peu. Dis-nous tout. Un bon coup, on va dire écouter. Être écouter. À l'écoute. Ouais. C'est un début, être à l'écoute, ouais. Et varier les plaisirs. Ah. Varier plaisir. Ouais. Donne-nous plus de détails. Parce que varier plaisir, c'est un peu vague. Hein. Je sais pas comment dire ça, parce que ça dépend des gens en fait à chaque fois. Ouais, normal. On va dire y aller doucement parfois, moins doucement d'autres. Ouais. Après, je sais pas. Genre. Ouais, varier les plaisirs quoi. Faire un peu de choses différentes. Alterner entre sensualité, sauvagerie un petit peu. C'est ça. Sauvagerie un petit peu, d'accord, ok, d'accord. Voilà, pas écraser la tête par terre non plus. Non, mais comment devenir un bon coup pour... D'abord, que pour un soir ou. Alors, tu sais quoi, d'abord un soir. D'abord, bon coup d'un soir. Un soir? Ouais, déjà. Vraiment? Dis-nous tout. Faut muscler le bassin, les gars. Faut que ça devienne souple, tu vois ou pas? Ouais. C'est comme si tu faisais un petit zouk, faut que ça soit souple. Ça bien quoi. Voilà. Ok. Après, quand t'es en couple, ça avec une meuf. Ouais. C'est au fur et à mesure, faut que tu fasses ce qu'elles veulent, tu vois la chose ou pas. Faut que quand tu fasses le truc, faut qu'elles se sentent, faut que ses yeux deviennent blancs. Ah ouais. Sinon c'est 8e ciel, 10e ciel. Ah, c'est ou un 20e. Encore un peu, tu vois ou pas. 20e, ok. Ouais. Je pense qu'il faut être, patient. Patient, ouais. Il faut prendre son temps, ne pas vouloir aller trop vite. De trop vite dans quel sens tu veux dire? Alors, aller trop vite. Il y a certains, je pense qu'il y a certains hommes, je sais pas vraiment, mais il y a certains hommes qui veulent trop aller droit au but, quoi, arriver à coucher. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc je pense qu'ils devraient prendre leur temps pour que ça se passe mieux. Prendre leur temps, d'accord, ok. Voilà. Leur temps. Mm-hmm. Ok. Et ensuite? Et ensuite voir comment la fille réagit. Ouais. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as des conseils plus techniques vraiment de l'acte?
Ouais, tu vois, vraiment des contenus plus techniques, voilà. Quand on devient bon coup, voilà, des trucs plus techniques. Être plus sauvage, plus sensuel, il y a plein de trucs, Nyama. Tu vois, avoir des préliminaires un peu plus longs. Plus longs. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc pour toi, c'est quoi les préliminaires longs à peu près? À vrai, combien de temps? Ah, parce que les abonnés hommes, ils veulent des précisions, tu vois. D'accord. Par exemple, cunnilingus, par oui. exemple, ça, et quoi d'autre voilà, c'est déjà ça, c'est beaucoup. Écraser la tête par terre non plus, mais voilà. Un move de cache qui me fait soir à soir. Ok, d'accord. Donc en gros, c'est tout à donner? Ouais, je pense que c'est pas mal déjà. Ok, et par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a une durée niveau de l'acte minimum? Clairement okay. pas. Okay. Ça peut être très rapide et très bien, comme ça peut être très long et très chiant. Comment devenir un bon ouais, coup? Ouais, donne des bons conseils quoi, aux abonnés là, parce qu'ils veulent savoir. Non, comment devenir un bon coup, c'est. Déjà, il n'y a même pas de conseils. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est au talent? Ouais, c'est au talent. C'est inné quoi? C'est inné. C'est Nyama inné, c'est Nyama inné, d'accord, ok. Ah merde, ok, donc vraiment pas de conseils aux abonnés. Non, enfin, un petit conseil quand même, si les meufs faisaient pas les poils, t'as capté? Genre quand c'est. Il y a trop de forêt là, faut raser. La forêt amazonienne là, ouais. faut raser. La forêt, faut raser. Hein. Ah, Nyama, faut raser, hein, faut arrêter quand même. Non, faut raser. Arrête. Pour les mecs qui sentent un peu du kiki là. ça faut laver, hein. Faut laver de temps en temps. Il faut laver. Ouais, y en a, ils lavent pas. Eh, c'est vrai? Ouais, y en a, ils lavent pas. Moi, je dis pas, mais dans mon entourage, y en a, ils lavent pas. Mais ils sont fous. Hein, ils sont fous. Mais ils quand sont ils font l'amour, du coup, ils ont leur truc qui pue. Ah ouais, y a des meufs, elles m'ont dit, ouais, ça pue tout ça. Ouah, c'est malade. Bon, déjà, je dirais être respectueux. Oui, déjà. Être apprêté. Apprêté. Agressivité. Agressivité. Faut pas qu'ils soient agressifs. Faut qu'ils soient sensuels. Sensuels. Un peu comme les Antillais. Non, les Antillais, c'est trop. C'est trop. C'est trop ouais, puissant, c'est trop. Les Antillais, ils ont une barre de sensualité un peu trop puissante. Un peu trop. Donc, toi, il faut un juste milieu, ouais, quoi. Ouais, juste milieu. Exactement. Ouais. Okay. S'il n'y a pas de juste milieu, ça ne va pas du tout. Et sinon, alors après, juste une dernière question. Du coup, à ce moment-là, au niveau de l'acte, combien de temps à peu près tu veux que ça dure à peu près? Pour toi, c'est quoi l'idéal? Alors, niveau si du ça temps dure, si ça dure trop longtemps, c'est peut-être qu'on ne plaît pas assez au gars. Enfin, ouais. c'est ce que certaines filles pensent. Ouais. Et si ça dure pas assez longtemps, des fois, c'est décevant. C'est-à-dire okay. que c'est pas. Enfin, comment dire? Oui, c'est décevant, voilà. Ok, donc pour toi, c'est quoi le temps minimum à peu près? Minimum 5 minutes. 5 minutes, ouais. Bah, c'est quand même court, 5 minutes quand même, je trouve, mais bon, après, d'accord, ok. Voilà, donc 5 minutes, c'est l'idéal. L'idéal, ok. C'est okay. pas trop long et pas trop court. Ok, donc pour toi, c'est vraiment le temps idéal, quoi. Oui, voilà. Parfait. Oui. Bah, je sais pas, faut être gentil, faut être attentionné. Ouais. Bah franchement, je sais pas, hein, y a pas de règle en fait. Attends, je suis d'accord, ok. Et puis plutôt à ce moment-là, au niveau de l'acte, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux hommes en général? Non, alors pas du tout. Alors, est-ce que d'abord tu es en couple? Non. Tu cherches? Pas spécialement. D'accord. C'est quoi ton goût d'homme? Les bruns, les blonds, les renois, les rebeux, les asiates, les rayawen, les nyamas, c'est quoi? Rien de parti, enfin pas de rien de spécial, il faut que j'ai un bon feeling. Ok, c'est feeling. Ok. Ouais. Alors. Quel conseil donnerais-tu à nos abonnés hommes, du coup, comment devenir un bon coup avec les femmes? Parce qu'ils sont Nyama curieux, ils sont vraiment curieux. Dis-nous tout. Pas être trop sérieux, pas se prendre la tête. Et niveau après... du temps, est-ce qu'il y a un temps, tu penses, idéal? Un temps. Un temps idéal? Ouais, par exemple, dis-nous. Un temps idéal, idéal, genre pas dans l'excès, pas jusqu'à ce que les hommes, ils veulent, ce que les femmes, elles veulent. Un temps genre minute ou temps... En heure, tu veux. Hein, en heure. Déjà, en heure, ce serait plus... Non, minute. Vas-y, en minute. Oui, minute. Ce serait peut-être 20-30 minutes pour que la meuf, elle kiffe. Après, ouais. si tu rentres dans l'excès, faut que ça soit au moins ouais, 1h30, 2h, hein, facile. Okay. Hein. Mais avec quelques petites pauses, tu vois. Mais quelques petites pauses, genre en mode être pépon, tu vois, des trucs ouais, comme ça, normal, ça c'est ouais. pas mal. Tu vois pas. Okay. Et après, vas-y. Bon coup, il faut que l'homme dure assez longtemps ou pas trop longtemps, quand même. Faut qu'il sache s'y faire, déjà. Ça s'y perd. Oui. Faut être précis quand même. Ouais, non, les 10 secondes, 10 minutes, c'est pas bon. Ah oui, quand même, il y a un temps. Quand même, il y a un temps. Donc pour toi, c'est au-delà de 10 minutes. Bah, bien sûr. Ouais, 10 minutes, d'accord, ok. Ouais. Il faut aussi qu'ils prennent du temps dans les préliminaires ou pas? Dans les préliminaires, faut qu'ils prennent du temps. Un peu. Bon. Tu sais, j'ai des frères. Hein. Oh merde, ils vont me tuer là. Comment devenir un bon coup? Comment rendre les. Comment monter les femmes au 7e ciel, au 10e, au 11e? Au niamasième. Vas-y. Être simple et nous demander ce qu'on veut. Simple? Ouais. Tu penses que les hommes sont compliqués au lit, tu penses? Non, c'est compliqué à expliquer. Dis-nous, prends ton temps, avec tes mots, pas de problème. Non, mais plus de tendresse, moins de, je sais pas... Ah, peut-être voilà. moins sauvage, plus voilà. Sensuel, quoi. Oui, plus sensuel. Ah,
d'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Nous, ça nous ferait plus kiffer, ouais. D'accord. Après, bien sûr, ça dépend des femmes aussi, bien oui, sûr. Oui, aussi. Hein. Parce que là, bon, voilà. Ça dépend de la personnalité, ouais. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, commentaire et mettez en commentaire Guilde Niama. Parce que maintenant, on fait partie de la guilde. Allez, les gars. Vas-y.